tout le monde, c'est Commodore Retro et lui on se retrouve pour un nouvel épisode de la musique, s'il vous plaît, la musique. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'épopée rétro. Alors on va tout de suite aller dormir, hop, parce qu'il commence à faire nuit, voilà. Alors aujourd'hui, eh bien il est temps les amis de commencer l'un des gros projets de cette série, donc à savoir construire la maison. Alors, pour cette maison, il faut qu'on aille bûcher et récolter du quartz. Mais, je sais très bien qu'on ne trouvera pas beaucoup de quartz dans le biome dans lequel on est, dans le Nether. Donc, on va bouger le portail. Ouais, non, en fait, non. On va pas bouger le portail, on va... On va directement... Ouais, non, on va pas bouger le portail. Non. On va pas bouger le portail. On va du coup aller dans le Nether, récupérer un peu de quartz. Je pense que je vais faire un petit timelapse. Ça pourrait être sympa. Après, on se retrouve pour construire la maison ensemble. Et je vais aussi faire un petit timelapse pour la... Non, oui, si, un timelapse pour le bûchage. Comme ça, on sera bon. Non, changeons de programme. Restock de bouffe en premier. Les amis, je viens d'installer. Je viens de remarquer que j'avais un fumoir dans mes coffres. Et je viens de l'installer. C'est tellement bien ce truc là. C'est comme les Blast Furnace, mais pour la bouffe. C'est trop trop bien. On va en profiter. Tac, tac. Donc du coup, je suis allé. On va dormir. Je suis allé. Faire mes plantes, enfin récupérer, récolter les trucs, replanter tout. J'ai récupéré des patates et tout ça, j'ai récupéré deux poisonous potatoes, je sais pas à quoi ça sert. Et puis du coup, comme bouffe, voilà, on va se faire des patates cuites, ça ira très bien. On va tout se faire, tac, tac. Bon, on se retrouve dans le Nether. Là, retourne au sender ou le gast là. Bon bah c'est bon, GG. Une lame de gast, une lame de gast, une lame de gast. Parfait. Ouais, non. Putain, on se fait emmerder par une gast là. Bon, y'a plus qu'à continuer le timelapse. We'll be right back.
les amis, je viens de passer le portail et je me retrouve en grotte. C'est pas normal. What the fuck? Du coup, j'ai fini ma séance de minage de quartz. On va pouvoir se mettre à la construction de la maison. Alors, j'ai déjà la maison sur... c'est un tuto sur YouTube, hein, mais j'ai déjà la maison en tout cas. Faut juste trouver le chemin de la maison. Et ça va être une autre histoire. Ça va être bien relou ça par contre. Ok, c'est là-bas. Bon. Déjà ça c'est fait. Vite, rentrons à la maison. Ok, maintenant, c'est l'heure du bûchage parce que j'ai besoin de ce bois là. Attendez, c'est ce bois là je crois. Hein. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce bois là. Bon bah c'est parti. Ok les amis, je me suis totalement trompé, il n'y a pas du tout besoin de bois pour cette maison, je me suis totalement foiré. La maison que je veux faire, c'est la maison du tuto du youtubeur Kardex. J'ai sous les yeux là. Donc on va s'y mettre, ce sera pas que dans cet épisode là, hein. On va faire dans tous les épisodes. Enfin il y aura quoi, 2-3 épisodes qui seront consacrés à la construction de la maison. Ça c'est sûr. Ouais non mais par contre j'avais oublié que c'était aussi cher de faire des... Ah ça suffira pas. Ça suffira pas. Bon si jamais je retournerai. Et vraiment dans le pire des cas on se givra. Mais bon. Il me faut aussi... Ouais d'accord ok. Bon je vais rassembler le matériel et on se retrouve juste après. A few moments later. Bon les amis, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Au début je croyais que c'était vraiment du quartz qui composait principalement la maison. Sauf que c'est pas du quartz en fait. C'est du béton blanc. Du white concrete. Donc du coup bah, je me suis givé 4 stacks de white concrete. 3 stacks de white concrete blanche. Et 3 stacks de concrete grise. Sinon le reste j'ai fait moi-même. Les vitres j'ai fait moi-même. Ça j'ai fait moi-même. Ça c'est pareil, j'ai fait moi-même. Enfin au début du tuto il fait l'inventaire de chaque élément qu'il y a dans la maison. Donc du coup j'ai suivi son petit truc. Voilà. Tout ce qui est là elle pourrait être dans la maison. Donc le chêne que j'ai récolté avec ça, il y a du boulot. Voilà. Donc bah, on va se mettre tout de suite à la construction de la maison. Bon j'ai envie de dire que ça avance bien. Pour le moment non, ça ressemble pas à grand chose, mais voilà. Bon je préfère du coup en fait au lieu de tout filmer, je préfère montrer étape par étape parce que sinon vous risquez d'avoir une vidéo comme ça. Ok il faut faire ça. Ok je pose un bloc là. Ensuite là il dit qu'il faut que je pose là. Voilà, ça risque d'être un peu chiant pour vous. Donc je préfère suivre le tuto tranquillement et puis vous montrer étape par étape. Voilà. Donc là je vais continuer. Ok, bon bah alors là pour le moment c'est encore un truc qui ressemble pas à grand chose. Mais je dirais que ça avance lentement mais sûrement. Allez, il est temps de continuer. Ça commence à prendre forme hein. Incroyable, excellent. Ouais ça commence à prendre forme. Ça avance bien. Oh. C'est chaud. C'est chaud. Regardez, toute une famille zombie. Le papa, la maman, tranquille là. Wow. Putain, c'est vraiment chiant. Wow. Casse-pied. Voilà, donc un étage de feu supplémentaire. Je vais continuer. Bon. Ça avance ultra bien. Regardez là où je peux monter parce que voilà. Mais regardez, en haut, il y a une petite terrasse qui a été faite. Enfin voilà. Ça avance magnifiquement bien. J'aurai fini d'ici une demi-heure, je dirais. Ouais. Ok, les vitres ont été mises. C'est cool, j'ai fait ça aussi.
Elle, vraiment, le tuto que j'ai suivi est vraiment très cool. Bon, bah, je vais continuer. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. A few moments later. Attention, les amis. Boom. Voilà, je viens de la terminer. Oh, pardon. Bon, je vais vous faire quelques petites révélations sur cette maison. Je vous fais une petite visite et puis après, je vous fais une petite révélation. Alors, nous avons donc ici un magnifique salon. On va décorer après dans le prochain épisode. Hein. Nous, on a une pièce ici. On a un grand espace. On a encore une pièce ici. On a un petit étage. Hop. Donc, ouais, ça c'est... Ouais, dans le tuto. Ouais. Bah, c'est sympa en vrai. Ça fait un puits de lumière et tout ça. Je mettrai des torches plus tard. Attendez, on pourra en mettre là. On pourra en mettre maintenant. Attends. J'ai peut-être besoin. On va mettre des torches. En même temps, je vous fais une petite visite. Hop. Donc là, apparemment, il n'y a pas besoin d'en mettre. Enfin, il n'y a pas besoin de... Apparemment, il m'a pas fait ouvrir ici. Encore une pièce ici, on verra ce qu'on mettra. Et après, il y a encore un étage. Hop. Voilà, comme ça évitera aux mobs de spawn. Pour que ce soit totalement spawn-proof, comme on dit. A plus de torches. Bon, j'en remettrai après. Donc voilà. Hop, et après on peut accéder à la petite terrasse avec des transats. Bon, maintenant il faut que je vous rappelle un truc. Cette maison a été faite en moitié en survie, moitié en créatif. Au début, j'étais chaud pouffé en survie. Et à un moment, vers la fin du tuto, je suis passé créa. Voilà. Voilà, parce que ça devenait un peu long et puis ça commençait à demander beaucoup de ressources. Mais voilà, on a notre belle maison, donc on va pouvoir aller cocher. Dans notre Google Drive l'objectif. Voilà. Bon. Dans le prochain épisode, on décorera et on transportera tous nos trucs. Parce que, on va s'y rentrer tout de suite. La maison qui est là-bas. Va nous servir de salle de coffre prochainement. Voilà. Ah, non. Cassez-vous. Ah. Vite, on dort. C'est bon, on dort. Voilà, on dort. Bon, du coup, maintenant, je vais ranger mon bordel, puis après, on va se laisser là. Bon, nous voici sur la page d'objectifs de l'épopée rétro. Et nous allons pouvoir cocher. Attention, il est où? Faire une grande maison. Tac, on coche. Voilà. Bon, bah, les amis, je pense qu'on est bon pour s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, la construction de la maison m'a pris beaucoup de temps. Mais le résultat est quand même incroyable. Elle est super belle. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Commentez à moi pour la prochaine vidéo. C'est comment on va trop. Bye tout le monde.